Dans cette nouvelle capsule, aujourd'hui spéciale pour la semaine des personnes handicapées, j'ai le bonheur de recevoir le rocker Martin Deschamps. Bonjour Martin! Salut Isabelle! Ça va bien? Très bien! Super! Mais merci beaucoup de discuter avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Ça me fait plaisir à moi aussi. Bon, ben super! Mais c'est ça, là, c'est une année qui est assez occupée pour toi. Différents projets, single, l'émission Ouais. La Clé des Chats. Beaucoup de projets, effectivement. On peut parler en premier lieu de La Clé des Champs, Oui. l'émission sur laquelle j'ai travaillé en tant qu'animateur. C'était une nouvelle expérience pour moi. Ça a été tourné à l'automne dernier, mais c'est présenté présentement. Présenté présentement. Ouais. Donc, à la télévision de Ami Télé, exact. Spécialité pour les personnes handicapées, entre autres. Et ben, tout le monde est invité à écouter l'émission parce que c'est très divertissant. Ouais. On met en lumière les talents de certaines personnes handicapées qui sont des passionnés de musique comme moi. Et je les invite à mon studio à Rawdon, où je me trouve présentement d'ailleurs. Et on fait une belle journée de musique. On s'amuse aussi. On va à l'extérieur. On profite de jaser un peu avec nos invités, les connaître mieux. Et à la fin de cette émission-là, ben, on présente une nouvelle chanson. Une chanson qu'on a... En fait, c'est des reprises, des chansons que les gens connaissent. Mais on y met notre couleur, on y met notre saveur. Et chaque invité a vraiment su... on a su tirer le meilleur de chaque invité, je dirais, vraiment. Ouais. Là, les gens sont ravis. Ils partent d'ici, le cœur rempli de joie puis rempli de beaux souvenirs. Donc, ben, j'en parle, j'ai même des frissons. Parce ben oui, à chaque émission, chaque invité qu'on a reçu, ça a été des beaux moments, vraiment. Puis avec l'équipe aussi, l'équipe de tournage qui est formidable, qui m'a rendu la vie plus facile. Les gens de l'équipe m'ont comme calmé au début parce que j'étais pas mal nerveux. Mauvaise expérience. D'ailleurs, hier, on voyait en fait le premier tournage que j'ai fait, qui était donc avec Stéphane Tellier. J'ai écouté ça, puis vraiment, c'était wow. Non, pas du tout. Ça paraît vraiment naturel. Puis c'est ça qu'il y a une belle chimie qui s'installe avec chaque invité, puis qu'il y a comme un handicap différent aussi. Donc, puis le talent, c'est incroyable. Là. Ça fait découvrir vraiment là, différents talents. Hein. C'est vraiment une super belle émission. Hein. Oui, puis les chansons choisies aussi. Ouais. Tu sais, des fois, c'était des tunes que je connaissais, d'autres fois un peu moins. Ouais. Ça me sortait de ma zone de confort. J'ai beaucoup apprécié. Ça. J'ai bien aimé l'expérience. Ouais. Ben oui, ça faisait un bon challenge en même temps. Oui. Ça aussi, c'est ça, c'était à ton chalet, donc c'est tout adapté aussi là, oui. À ton chalet pour tout. Une grande pièce, entre autres. Ouais. Bon, les personnes qui étaient non-voyantes ou malvoyantes, il y avait quand même de l'espace pour eux, ils se sentaient bien. Les personnes qui étaient en fauteuil roulant, ben, elles étaient aux oiseaux de se promener en pièce. Donc, vraiment, vraiment, très belle expérience. La clé des champs. La clé des champs, oui. Non, exactement. J'invite tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, là, à l'écouter. Puis, donc, c'est ça. Donc, la musique, ça fait partie de toi là, depuis tout jeune. Comment ça a commencé? Oh boy, moi, j'ai commencé dans l'auto avec ma mère qui m'apprenait des chansons parce que j'avais le mal des transports. plein de chansons de toutes sortes, dans chansons d'enfants, les chansons de l'époque. Puis après ça, ben, j'ai acheté mon premier vinyle de Kiss. Là, j'ai découvert la voix. Puis par la suite, ben, j'ai découvert plein de groupes comme Offenbach, puis CDC, puis des groupes qui m'allumaient beaucoup. Et j'ai commencé à jouer de la batterie à l'âge de 11 ans. Mon père m'avait fabriqué des genres de courroies pour tenir les baguettes avec mes mains. Puis ensuite, je me suis fait des amis de musique, des amis musiciens. Puis on a fait un band. Puis j'ai appris à jouer d'autres instruments, dont la basse, la guitare, la slide guitare. Mm-hmm. Et bien, justement, dans l'émission La Clé des Chants, je joue un peu de tous ces instruments-là. C'est bien trippant pour ça. Je peux accompagner à différents niveaux, différents instruments. Mm-hmm. Et bien, par la suite, j'ai fait des spectacles, j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont amené plus loin dans mon cheminement musical jusqu'à temps que j'entre dans le groupe Offenbach officiellement. C'est ça, 1996. Et avec cette expérience-là, j'ai vraiment eu un tremplin. Vraiment, c'est là que j'ai embarqué dans la music business officiellement. Ouais,
Et depuis, ça n'a jamais lâché. 11 albums plus tard, milliers de spectacles. C'est incroyable. Là. Puis, c'est ça, comme dans la musique, comme dans la vie, je pense que t'es quelqu'un de fonceur. Avec le handicap, pas grand-chose qui t'arrête. Ben, j'aime la vie en partant. Ouais. Fait que, il faut la remplir, cette vie-là. Puis, tout le monde a droit à sa place dans la vie, handicapé ou non. Fait. Oui, exactement. Donc, tu fais de la moto aussi, avec ton complément dans l'émission aussi, qui a été adapté et tout ça. Donc, oui, comme tu dis, le côté fonceur en moi, il est démontré. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance aussi, on parle de la semaine de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées. Ouais. J'ai eu la chance pendant 15 ans d'être le porte-parole de l'équipe de l'OPHQ, puis ça a été des belles expériences, ça aussi. On a fait le tour du Québec pour sensibiliser les gens face à l'inclusion, justement, et à tout ce qui pouvait être adapté. Parce que, bon, c'est déjà 10 ans que je l'ai été, 15 ans. Donc, on parle de presque 25 ans derrière qu'il fallait sensibiliser les gens. Aujourd'hui, on a, grâce à nous puis grâce à bien du monde, on a réussi à ouvrir l'esprit des gens, à sensibiliser. Entre autres, l'embauche des personnes handicapées. On travaillait bien fort là-dessus. Les installations dans tous les lieux publics. Quand j'arrivais des fois dans un endroit en région un peu moins équipé, on peut dire, j'arrivais et je les scannais parce qu'il n'y avait pas de rampe, puis la porte n'ouvrait pas du bon bord, il n'y avait pas de porte électrique. Fait que non, on a fait du bon boulot avec eux, puis j'ai été très, très content de faire partie de l'équipe pendant 15 ans. Et aujourd'hui, ben, je me considère encore quand même comme un genre de porte-étendard, porte-parole, un parrain, parce que ce que j'ai vécu avec eux, puis ce que je vis en tant que personne handicapée, je pense que de le partager, ça peut juste amener du positif, puis aider les gens. Oui, exactement. C'est en même temps, c'est à tous les jours, là, en même temps qu'on essaie de promouvoir l'accessibilité et tout ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a comme c'est plus accessible maintenant? Oui, ben, il y a de plus en plus d'installations, ça c'est sûr. C'est rendu obligatoire de toute façon. Oui, c'est exactement. Il y a des sanctions. Mais je parle surtout au niveau, je pense, de la débrouillardise des personnes handicapées. Il y a des services qui sont mis à leur service. Oui, exactement. Des associations qui sont là pour les aider. Puis des fois aussi juste le guts de foncer dans la vie. Quand on en voit qu'ils le font, ben justement, dans la clé des champs, je reviens encore à ça. Laisse inviter 10 personnes qui foncent dans la vie aussi, qui sont des passionnés. Je pense que le plus important qu'il faut se souvenir dans cet entretien-là aujourd'hui, c'est les passions. Quand tu as une passion dans la vie, il y a quelque chose qui t'anime, il y a quelque chose qui force en toi, qui grandit. Puis moi, c'est la musique, d'autres, ça sera la littérature, les sports. J'ai eu la chance d'aller faire la cérémonie d'ouverture des Paralympiques en 2010 avant de faire. Puis, là, des passionnés puis des gens qui se dépassaient au niveau du sport. J'ai été impressionné, puis j'adore être impressionné. oui, c'est ça. C'est comme chaque personne a quelque chose d'unique aussi, puis c'est de foncer aussi dans ce qu'il aime, puis de juste pas s'arrêter nécessairement aux barrières. Voilà. Tu as essayé, c'est ça, plusieurs du ski alpin. Je pense que tu avais essayé un petit peu de sport plus jeune et tout ça aussi. J'ai fait plusieurs sports, mais le ski alpin, c'est resté... La natation, je nage mon poisson dans l'eau. Mais sinon, c'est sûr que la moto, la musique, le dessin. Puis entretenir des amitiés aussi, c'est une autre belle passion que j'ai. Parce que j'ai tellement des bons amis, une bonne famille. Je suis un gars chanceux, vraiment chanceux. Oui, je pense que c'est ça, c'est important d'avoir un set à qui on peut faire confiance aussi. Puis de mettre pour ça sur nous. Et tout ça. Puis donc, c'est ça, là, t'es en tournée aussi présentement avec plusieurs spectacles. Oui, cet été, on va être très occupés. Tous mes week-ends sont comblés. Invitez-moi pas à souper le samedi soir. Et puis, c'est une tournée nouvelle avec des nouvelles chansons qui se veulent un peu plus country rock. Je garde quand même mon répertoire que les gens connaissent bien, là, les classiques. Mais on essaie d'aller de l'avant avec des nouvelles chansons. Puis souvent, les gens qui reviennent voir le spectacle sont contents de découvrir des nouveaux trucs. Et ça va mener à un album à l'automne. Donc, octobre, novembre, là, on va sortir l'album. Puis ça va être tout. Les chansons, c'est drôle parce qu'habituellement, on fait un album qu'on joue les chansons en spectacle. Nous autres, on est en train de jouer les chansons en spectacle. Puis ça pogne, puis on le sait que ça va être bon.
Fait que c'est pour ça qu'on fait ça un peu dans le but de tester les chansons puis d'ensuite ouais. les inclure dans le nouvel album. Ça permet, c'est un processus à l'envers que, habituellement, mais ça permet ouais, de... Ben les deux sont corrects. Ben oui, mais c'est ça, ça permet de rassembler les gens, de faire découvrir les chansons, comme tu dis, puis de... Ouais. Donc, c'est ça, tu continues là-dessus, puis d'autres projets à venir, c'est sûr que l'album et tout ça, donc ça occupe pas mal. J'ai pas mal de travail avec l'organisation de la tournée aussi, ouais. là, à partir ouais. de la semaine prochaine, on commence à être là pas mal à chaque fin de semaine dans différentes villes du Québec. Je m'en vais à Sainte-Flavie en fin de semaine, donc à Coudray-Coutiqui, en Gaspésie. Fait que beaucoup de routes, mais j'adore faire de la route. Ça fait partie du métier, puis c'est pas quelque chose qui est lourd pour moi de faire de la route. J'aime ça. Ouais. Ça fait partie du deal, puis j'aime rencontrer les gens dans toutes les régions. C'est toujours des rencontres, puis le bonbon, la récompense, c'est le spectacle. Ça, j'adore. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est partager ton avec les gens. Donc, c'est vraiment un bel été qui s'en vient pour nous, puis je suis très content. Non, mais c'est super, ça, mon truc. Mais ce qu'on peut retenir, c'est ça d'aujourd'hui, c'est de vivre de sa passion vraiment, puis de pas s'arrêter là, comme tu le fais. Puis de... Voilà. Puis j'invite tout le monde justement à scruter en dedans d'eux, puis à en trouver des passions s'ils n'en ont pas identifié encore. T'sais, une passion, c'est tout simplement quelque chose, comme je disais, qui va nous allumer puis qui va nous faire aller de l'avant. Ça peut être aussi simple que d'aller prendre l'air puis d'apprécier la nature. Ça peut être juste ça, puis ça te comble, ça te remplit. C'est parfait. Moi, ça fait partie de mes passions, d'ailleurs, d'aller prendre de l'air des fois. Oui, c'est ça. Dans la campagne, c'est fabuleux. Ben oui, c'est ça, t'as comme le côté nature, puis plus occupé là, avec les spectacles et tout ça, donc tu fais une balance un peu avec ça. Si tout va bien, en terminant, j'aimerais dire aux gens qu'il y aura une saison 2 de La Clé des champs, on attend des bonnes nouvelles pour ça. Pas officialisé encore, mais j'espère que ça va arriver parce que j'ai beaucoup aimé mon expérience. Puis pour le reste, bien, c'est musique, moto et rock'n'roll. Rock'n'roll! C'est super! Donc on va continuer de dans tous tes projets. Bravo! Puis continue de foncer comme ça dans la vie. C'est vraiment super. Bien, merci. Puis bonne semaine québécoise des personnes handicapées à tout le monde. Et souvenez-vous que l'important, c'est l'inclusion. C'est de vivre sa vie comme on l'entend, une vie à part entière. C'était mon discours en tant que porte-parole à l'époque, puis je continue de le penser et de le dire. Bien, merci beaucoup, Martin.